Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons le royaume des Odris, nouvellement la confédération d'Asio-Thrace. Nous venons de faire la conquête de l'Hispanie. L'Italia me rapporte plus. On va pas se faire prédit pour mettre un édit. Et on va continuer notre conquête. Je pense, ah oui, on avait une troupe là qui allait par là. Et on va continuer notre conquête en Mauritanie, il me semble. Ah ouais, là ce que je vais faire c'est un point de recrutement. Un endroit où je pourrais faire du recrutement. Ici ou ici. Ouais, Ebora, ce sera bien. Midgol, oui, si on peut en finir aussi avec eux, ça serait cool. Et là la question c'est ce qu'on a à la portée. On a la portée, hein. Donc on va occuper. Oh, Imperium rang max, mince. Zut, je vais y perdre beaucoup d'argent à ça. On va faire la cadence rapide et on va aller Ibossim alors avec le navire. Bah, je vais y perdre beaucoup d'argent à avoir l'Imperium au rang max. Pas de pot. C'est pas bien grave. Donc je peux mettre un nouvel édit. On a Aquitania. Hein. Normalement, on devrait avoir la Confédération gauloise qui devrait essayer de ch chercher à venger un peu. Enfin, j'avais dit ça l'épisode précédent, mais ça n'avait pas fonctionné. La preuve, les Icènes, ils sont toujours en train de se balader aux alentours d'Isca, Moridunon, etc. Ça passe pas en résolution auto, ça? Oh. Vraiment? Mener la bataille manuellement, hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de troupes à distance. Et ces troupes à distance n'aident pas trop. N'aide pas trop une fois que les engins de siège sont arrivés sur les murs. On a trois types différents. Alors, en premier temps, on a notre port. Les ennemis viennent de là-bas. Pardon. Et de 1 et de 2. Et de 3 si ça lui fait plaisir. D'ailleurs. Voilà. On va mettre quelques troupes quand même. Ici à la défense. Et là, je vais leur demander de faire. Pardon, de débarquer. Oh, bah dis. Toutes mes excuses là, c'est. Mais je crois que j'ai compris pourquoi je me mouche tout le temps à chaque fois que je fais un let's play. Le manque d'habitude de parler. Dès que je parle, ça doit faire vibrer mon nez. Ou j'en sais rien, une connerie du genre. Voilà. Et on va leur dire d'aller aider là-bas. Ils vont mettre du temps à arriver. Ils sont pas beaucoup, ils sont pas nombreux. Ils sont combien? 196.
Voilà, oula, 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 déjà là. Oh, c'est qu'ils vont vite les salauds. Je pensais pas qu'ils arriveraient aussi vite là, qu'ils arriveraient aussi vite. Et puis on vise pas bien non plus. Oh non, c'est terrible par contre. Là, je demande le remboursement de cette munition. Voilà, une en moins. Voilà, celle de tout à droite là, elle va passer, je pense. Tirer là-dessus. Désordre. OK, j'ai de la chance. Il va passer ici. Voilà, ah, terrible. Là, ça risque d'être un peu plus compliqué par contre. Bon, là, il devrait pas arriver à mettre la tour, au moins, elle est pas. Moi, je vais changer un peu la direction des munitions. Voilà. Pas d'ouïe. Deux. Trois, quatre. Ok, super. Hop. Envoyez pas vos munitions dans le vide, les gars. Ça n'est pas très très cool. Par contre, sur eux, ouais, je suis chaud. Ah, ils ont leur cavalerie. Ah, ils ont raison. Elles sont où mes troupes? Mes troupes, elles mettent du temps là, en plus. Hein. Elles sont lentes. Heureusement, elles sont légères. Hein. Mais malgré tout, elles sont très très lentes. Ils ont presque plus de munitions là. Ah ouais? Bon là ça va, on fait quand même... Waouh. Ah ouais. Ah c'est des... Elle vise bien. Le Saligo il vise bien. Ouais, plus de munitions. Ils ont des munitions, on va les décaler là, comme ça ils seront prêts à faire feu. D'ailleurs. On va leur demander de venir, ce sera plus simple. On va mettre plus de munitions. On va les remplacer. Voilà. Est-ce que Scutari. On leur fera des grosses pertes avant qu'ils arrivent au corps à corps. Peut-être qu'ils... Ce serait bien qu'ils envoient les bretteurs là. Ah. Oh si, ça c'est bien aussi. Les unités d'élite. J'ai pas envie de leur ordonner de faire feu. On va économiser nos munitions. Oui, tire alors que j'ai. Ouais. Hop, allez, une petite salve.
C'est amplement suffisant, je pense. Quoique, ils sont costauds, hein. Ils sont pas nombreux, donc... pas un problème. Ils envoient des frondeurs, pourquoi pas. Là, ils vont être épuisés avant d'arriver. En état d'épuisement, bah ouais. Ils ont toute la ville à traverser, ils ont pas aimé la blague. Quoi? Oh là là. On va les planquer. Hop, on va les planquer là. Ça y est, t'y es arrivé. T'y es arrivé, bouge pas. Attends, quoi? Il fait plus feu à mon hôtel? C'est bizarre. Attends. Exactement là où je visais, mais c'est pas bien grave. Bon, la précision, on y reviendra. Voilà, c'est déjà un peu plus ciblé là où je voulais. Impeccable, sur le général. Oh, ça c'est joli. Ça aussi c'est très joli. Ouh là là, elle est portée. Bon ça là, ils ont foutu autant le feu là. Ouais mais non, on va pas. Il y a 42% là et... Tour à flèche, ça suffit pas là pour... Si, largement. Bon par contre pour les bretteurs mercenaires ibériques, ça risque de pas suffire les tours à flèche. Ils sont beaucoup. Ils sont plutôt nombreux. On va attendre là que ils soient fait trouer par les flèches. Non, même pas, ils veulent pas. Okay. Bon bah on va pas attendre. On va faire feu à volonté. Est-ce que je les décalerai pas un pouya parce que là je vois que j'ai une bonne partie de mes troupes qui ne sert à rien. Totalement là. Waouh. Et non, c'est le bordel ici par contre. Hein. On fait faire remonter les gars. Ça se passe plutôt bien. Jusque-là, ça se passe plutôt bien. Ils ont beaucoup d'unités à distance, les frondeurs sera pas un problème au corps à corps. Nombreux ou pas? Non? Bon, arrêtez le feu à volonté. On va pas abuser des bonnes choses. Une tour à flèche sur de la cavalerie légère, ça suffit amplement. Ils s'y foutent. Pourquoi ils tirent? Oui, ils sont à une distance alors que... mal à comprendre, c'est pas grave. Oh, regardez qui avance. Nimo. Tu seras le bienvenu, Nimo. On t'accueillera comme les autres. Avec une attention même particulière. Ah bah dès que Nimo il est retourné à l'eau. Non, c'est pas ça. Ouais. Bah, tout le monde est parti. Hein. Là, le général, il y a eu quelques soucis, ils sont tous barrés. Hein. Mercenaires, pas mercenaires, ils ont tous pris leur jambe à leur cou.
pas eu beaucoup de pertes en plus. Tu me diras le contraire, ça aurait piqué un peu. Oui. Tu me diras. Encore hein, du monde, il y a un roi, il y a une flotte. Il y a une... Ah, c'est des Romains, ce sont les Romains, c'est pas. Hop. Là, ça donne qu'on prend Midgol. Migdol, pas Midgol, Migdol. Voilà. Ça va être commercial ici. Hein. Bon. Le commerce n'empêche pas la nourriture. Bien changé de temps en temps. Quelque chose, des chevaux. Hop, à manger, à manger. Très bien. Un petit tour. Hein. Je suppose que de ci, de là, en plus, j'ai des bâtiments qui sont pas forcément les plus adaptés. Je sais plus si j'avais fait le tour ou pas. On fait tout ça, on verra. Je vais pas avancer plus, je vais pas reculer. Oh. Galati qui allait sur Sinopé, rien à foutre. Hein. Voilà, Pergamon. On n'a pas grand chose à craindre de ce côté-là. Là, on a moins d'Arverne, enfin de Confédération gauloise. On va bientôt pouvoir bouger toutes nos troupes qui sont là. Hein. Ouais, c'est bien. C'est bien tout ça. Parce qu'on qui est tranquillou, bilou. Lui, il a encore pas mal de tours hein, avant d'arriver à sa destination. Il y en a pour... Ouf. Égypte, Égypte. Ah oui, c'est vrai. Bon là, il retente, mais... J'ai pris des précautions. T'as eu beau recruter encore des mercenaires, ça ne suffira pas. Et les Lusitaniens, ça donne quoi? Oui, petite soumission, j'aime bien moi. Ah! Depuis combien de tours je vois ça et je me dis tiens, il faudrait que je le fasse. J'en sais rien du tout, mais beaucoup. Vache, bah dis donc, il y en avait de la construction ici. Zac, hein. Tac. Oui, non, ça, je vais faire ça. Plus de stockage, là. Là, est-ce que... Ça me coûte cher, j'en sais rien. Ils sont trop loin. Ils sont repliés trop loin.
je vous assister. Ok, ah oui, c'est vrai que je voulais. J'ai commencé à lever une armée, mais. Ça veut pas. J'ai pas les finances. Et je vérifie en même temps les que les bâtiments soient bons. Ouais, si, c'est pas très grave. Ok. Ouais. J'ai fait un truc de bizarre là. Bon, c'est pas très grave. Non, ici j'avais dit que ce serait commercial. Oula. Ah oui. Bon, c'est un peu le bazar dans le coin. Tu me diras, il reste pas grand-chose. J'ai moins de revenus quand même d'un coup, c'est bizarre. Beaucoup moins de revenus, je ne comprends pas. Oh, c'est possiblement dû à l'Imperium. On est encore au moins 15. Putain, ça c'est. Ça me saoule. À un moment, ils vont finir par leur faire leur révolte. Hein. Faut que je passe en Empire, je pense. Dès que j'aurai un petit peu stabilisé mon territoire, parce que là, en ce militaire, ouais, tu m'étonnes. Ouais. Tous ceux que j'ai tapés, y a plus beaucoup d'ennemis lui. Hein. C'est comme Carthage. Hein. Bah, tu me diras Rome, Carthage, Carthage, Rome, mais juste pour la forme, j'ai envie de dire. Mais sinon, ils sont tranquilles. Alors l'Égypte. Tu sais qui combat Rome également. Faction détruite. Issen, ah bah c'est pas trop tôt. Après, pas grand monde. Hein. Oui, on va. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Il reste 10%, il me saoule. Lui rendre visite. Oh, tu sais quoi, toi, va voir les Cappadoces. Hein. Il me saoule pas, dégage. Voilà. Hop. Ouais, ça coûte cher. C'est quoi, là, la saison en été? Donc, en plus, j'ai pas mal d'apports d'argent par le. De par l'agriculture, voilà, pardon, je cherchais le mot. Là, je vais descendre. Ah. Ouais, je vais descendre par là. Ah, j'ai pas les droits d'accès, je crois. En vrai, est-ce que je me chargerai pas de Rome, hein, une bonne fois pour toutes, de Carthage, etc. Je vais me charger de Carthage. Et de Rome en même temps, tiens. Ça avait quoi? Comme ça. Et là, j'aurai direct à aller là-bas et ce sera bon. Voilà. Comme ça, on sera pas embêté. Là. Est-ce que pas d'être spécialement embêté non plus? On va envoyer des troupes à Midgol. À Dimidi, pardon. Mais. Oula. Il y a un petit souci de. D'occasion de localisation de troupes ou je sais pas quoi, là. C'est parti en cacahuète. Hop. Ouais, alors on va faire. On va déplacer un peu toutes nos troupes, là.
Ce qui serait bien, ce serait d'en avoir 4. 4 pour prendre la Mauritanie, l'Africa, la Fazania, etc. Oh, 4 plus une flotte. Oui, c'est bien. 4 et une flotte. Deux qui avancent, deux qui gardent les territoires. Pas besoin de faire beaucoup plus. Pas besoin de mobiliser plus, je pense. Chypre, accord commercial. Oh oui. Échec de la mission. C'est bien. Il est revenu, il est content là. Pas dégager toi. Ah, merci. Tiens d'ailleurs ce que je vais faire c'est ça, je vais poursuivre les unités ennemies. Ouais, ça c'est bien. Un petit tour rapide de nos possessions. Coûte cher tout ce bazar. Bon, déjà je gagne un peu plus, je suis à 23 000 par tour. Là où j'étais descendu à un peu plus de 10 000 je crois. Moins de 20 000. Quand même. Ah, c'est vrai, j'envoie un espion en Égypte. J'avais oublié ça. Je sais pas, ça doit faire un épisode entier que je l'ai fait. Je l'ai totalement zappé lui. Et là j'ai vu un espion bouger, j'ai fait oh. Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Pourquoi il bouge? Et là je me dis, ah oui, c'est vrai. Je l'avais envoyé. Il y a un moment. Debdona, non je sais plus la ville, non, la ville, en Irlande actuelle. Jusqu'en Égypte. Donc autant dire, il y a. Bon, il y en a pour je pense une bonne année de en jeu. Ah ouais. Comme ça, bah t'es vraiment pas très malin toi. T'aurais pu. Enfin, je sais pas. C'est pas très grave. Hop, là on est quoi? Oui. Égypte. Ils sont chiants là. Ah, là aussi. Bon. Bon, il vient de m'embêter. C'est très grave en soi. Je vais juste me déplacer à Polonia. Je peux quand même craindre une attaque. Oh, il y a des agents là dans le coin. Oh, ils sont chiants les agents. On va faire mine 2, mais. Tout ce qu'on va faire, c'est aller sur Rome. Ouais. Tiens. Ça va un peu trop loin, c'est dommage. Je vais les attendre là. On va voir s'ils vont revenir ce tour-là. Enfin, le tour d'après plutôt. Allez.
On gagne 26 500, c'est bien. Bon, après là c'est l'automne, donc ça devrait baisser les prochains tours. Du moins avec l'arrivée de l'hiver. Oups, alors peut-être une erreur là. S'il y a des troupes qui se baladent en Mauritanie, les troupes égyptiennes en Mauritanie, je risque de perdre une bataille. Hein, il va sur Arcée? Qu'est-ce qu'ils foutent? Je comprends pas. J'ai mal à comprendre les actions du bot. Non, non, toujours pas. C'est vous qui êtes venu chercher la merde. On récolte ce que l'on sème. Échec de l'embuscade. Oh, c'est ballot. Cette embuscade là, tu veux dire? Oh, j'ai bien réussi, t'en fais pas. Hop, là il s'embête, il peut pas passer. Là, il y a quoi là? Ouais, bon pire c'est Sparte. Rien à foutre. La Carthage a quitté son territoire, donc ça va être le moment de... Oui, oh. Ce sont des choses qui arrivent, hein. J'ai dérapé. Hein. J'ai dérapé, j'ai pris pied en vie dans ta ville, ferry dans ta ville, j'ai mis les drapeaux, tu vois. Ça va vite hein, de déraper comme ça. Hein. Ma faute, hein. J'ai un tout petit manque d'agilité et c'est pas tout quoi. Prochain tour, je suis sur le Blibom. Là, j'arrive à Yol. Niveau 7, eh bien. Là. Bon, il a fui jusqu'à où? Ah, jusqu'à là. Oh bah 10, c'est presque raisonnable en termes de fuite là. Disons qu'il a pas atterri à l'opposé du globe, donc ça me va. Y a du mieux. Ok. Ok. C'est quoi ça? Ok. Ouais bon. On appuie pour longtemps. 2. Ils veulent plus, dommage. Enfin, dommage pour eux. Moi je m'en fous un peu. J'ai mes troupes qui défendent, qui vont arriver pour défendre la zone, donc... Franchement... Ah mais je sais, c'est parce que... Je suis digne de confiance et pas plus à cause de mon action. C'est pas de peau. Je peux comprendre. Mince. Voilà. Ok, on a Soloka. C'est très bien. Carthage, je sais pas ce qu'ils vont essayer de faire ou de ne pas faire. C'est un peu la surprise. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les Cimériens? On a l'accès militaire? Ouais, c'est possible. Je vous avoue, j'en sais pas grand-chose. Égypte. Ah. Bon, c'est pas plus étonnant que ça. Une embuscade ici. Ils sont pas nombreux. Et je vais vous laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, bah moi j'espère qu'il vous aura plu.
Et je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. Allez, c'était Tiob.